Rechtshänder hantiert täglich mit Zündhölzern herum. Aber einer nur unter Millionen stiftet damit mehr als Feuer. Der Franzose Aubertin möchte das Auge hinleiten auf natürliche Bildvorgänge und das Publikum teilhaben lassen an seinen ungefährlichen Streichholzspielen. Streichhölzer im Museum. Das ist eine typische Zero-Situation. Mit der unausgesprochenen Absicht, alle verstaubten Museen dieser Welt in Brand zu stecken. Ab und zu verfasst Aubertin einen Artikel zum theoretischen Verständnis seiner Bilder. J'ai utilisé le rouge en réaction contre Isclin, parce que Isclin c'était le bleu, c'était l'immatériel, c'était l'infini, le ciel. Et moi je voulais faire quelque chose proche de la terre, des volcans, quelque chose de très terrestre. C'est pour ça que j'ai fait du rouge aussi, pour le feu, parce que le rouge, à force de peindre en rouge, ça m'a fait penser évidemment aux braises, aux volcans en éruption, donc à la terre, quoi. Au sang, bien sûr, à tout ça, tout ce qui est la vie, quoi. C'est ça qui m'intéressait. Si tu veux, non, dis ton première rencontre avec Yves Klein. C'est là que je l'ai rencontré au restaurant. Et il y avait beaucoup d'artistes dans ce restaurant, parce que c'était un restaurant, comme à l'époque à Montparnasse, très bon marché. On mangeait bien pour très peu d'argent. Et on a fait amitié, on s'est connus dans ce restaurant, on a commencé à parler. Il m'a dit « qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « je fais de la peinture, mais j'aime pas ce que je vois dans les galeries, j'aime pas beaucoup ce que je fais non plus. » Et il m'a dit « bon, moi je suis peintre monochrome, si ça vous intéresse, venez voir chez moi. » Et c'est comme ça que les choses se sont établies. Je suis allé chez Isclin et j'ai vu ses premiers monochromes, qui à l'époque, c'était avant qu'il commence la monochromie bleue. C'était des monochromes de différentes couleurs. Il y avait du blanc, il y avait du noir, il y avait de l'orange. Il y avait du rouge, il y avait du vert, voilà, des jaunes.
Je pense que oui, ça sera un futur positif. Les artistes sont toujours compris leur époque et toujours prévu l'époque à venir.